Salut tout le monde, je vais vous montrer dans cette vidéo comment gagner de l'argent facilement sur GTA V. Ok, vous devez avoir le complexe et la salle de canon orbital. Ok, tout votre argent, vous la mettez en poche et pas dans la banque. Ok, le chiffre qui est en haut, c'est dans la poche. Ok, vous allez avoir besoin d'une application pour cette manipulation en session publique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est assez simple. Là, vous allez vous rendre dans votre salle de canon orbital. Je vous ai mis à le ralenti pour bien que vous compreniez, mais c'est très simple. Ok, une fois dans la salle de canon orbital, vous faites flèche de droite. Ok, vous faites flèche de droite, vous allez choisir visée manuelle à 500 000, vous allez valider. Et dès que vous voyez le chiffre qui est décompté de votre compte en banque, vous allez aller suspendre l'application avec YouTube par exemple. Voilà, je vous montre. Vous lancez YouTube, vous confirmez la suspension de GTA V. Bon, il va falloir le faire un peu plus rapidement que dans la vidéo. Là, j'ai mis les ralentis pour vous expliquer. Dès que vous avez suspendu l'application, vous allez vous placer sur se connecter à Internet. Vous retournez dans le jeu en faisant un double PS. Vous placez dessus, ok? Vous allez avoir ce message. Dès que vous avez ce message, vous retournez à se connecter à Internet et vous décochez Internet. Vous retournez dans le jeu. Vous allez avoir le message comme quoi la connexion internet a été interrompue. Vous validez. Ça va vous remettre en mode histoire. Une fois que vous êtes en mode histoire, vous reconnectez internet et vous allez vous rendre en session publique. Ok, je vous répète la manipulation. Vous suspendez l'application. Vous allez vous rendre sur se connecter à internet. Vous retournez dans le jeu. Dès que vous avez le message comme quoi la connexion a été suspendue à cause de l'application. Vous validez et vous allez vite décocher la connexion à Internet. Voilà, arrivé en mode histoire. Là, vous pouvez aller remettre Internet. Vous retournez dans le jeu. Voilà, c'est très simple comme manipulation. Là, j'ai fait la vidéo, je vous ai montré avec un personnage que je viens de créer, qui a pas grand-chose sur le personnage. Moi, je vous conseille de faire comme moi j'ai fait. C'est-à-dire que quand je fais le glitch là d'argent, j'encaisse pas vraiment des millions, des millions, des millions, des millions. Parce qu'il y en a qui parlent d'être banni, etc. C'est normal que si vous faites ce glitch, vous faites 100 millions, etc. C'est normal que c'est flagrant. Moi, ce que je fais avec ce personnage, par exemple, j'achète tout ce que j'ai pas. Dès que j'ai fait le glitch, dès que j'ai assez d'argent, j'achète par exemple le bunker ou le centre d'opération mobile ou des appartements. Une fois que j'ai tout ça, je fais le glitch pour avoir par exemple 5-6 millions ou une dizaine de millions maximum. Et ça me suffit. Là, vous attendez de respawn en ligne. Voilà. Bah, allez, pensez à mettre le point d'apparition dans le complexe. Voilà, je suis dans mon complexe. Là, je vais vous montrer l'argent. Vous voyez bien en haut à droite. Là,
j'ai plus 500 000 et mon compte n'a pas bougé. Tout ce que j'avais en poche, ça n'a pas bougé. Si vous allez dans style, dans accessoires, vous mettez par exemple un accessoire ou vous changez de tenue pour avoir le rang orange en bas à droite de sauvegarde. Voilà, et moi ce que je fais, c'est que je vais dans la banque, je retire tout l'argent, je retire les 500 000, je les mets dans la poche. Voilà, je retire petit à petit tout l'argent. Et je vais aller m'acheter le bunker, par exemple. J'avais pas le bunker sur ce personnage, je vais aller acheter le bunker. Après, par la suite, j'achèterai le centre d'opération mobile, etc. Et après, vous pouvez recommencer le glitch comme vous voulez, les gars. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.